que vous avez oublié hier. Interview accordée par le président du motoclub d'Alba. Eh bien, le motoclub d'Alba organise un grand enduro le 29 septembre. Et en quoi consiste un ou une enduro? On dit un enduro. Alors, en quoi consiste l'enduro? Eh bien, c'est un parcours fléché en tout terrain, c'est-à-dire dans les bois, les champs, les sentiers. Chaque concurrent doit effectuer son parcours plusieurs fois suivant la catégorie et dans un temps imposé. Oui, j'ajouterais qu'il n'y a pas de limitation pour s'inscrire, c'est-à-dire qu'on peut prendre une autorisation, enfin, disons plutôt une licence à la journée. Je vous remercie. Rendez-vous donc le dimanche 29 à Alba pour l'enduro organisé par le motoclub d'Alba, dont je remercie le président et la charmante trésorière. Et maintenant, à vous les studios. Bravo à l'équipe d'Alba pour cette heureuse. Ils se débrouillent bien, les enfants. Hein? Bonjour, monsieur. Bonjour. Ah, monsieur Jules. Alors, on a entendu les petits dans le poste. Ils ont parlé d'enduro. Ils étaient bien? Ah, ben oui, tous les deux étaient épatants, hein. Très bien. Et vous auriez dû faire le siège social ici. Ça vous aurait amené beaucoup de monde. Oui, oui, ça aurait eu surtout plus d'allure que dans votre temple de la mécanique. Et moi, je fais la pétanque, je préfère les enduro. Mais il me semblait que les jeunes, vous l'avez proposé, ce siège social, non? Ben... Je me trompe, peut-être, non? Non, on avait parlé comme ça, oui, ah. Non. Ah. Regardez, la télévision en parle, et les journaux aussi. Hein? Alba, dimanche 29 septembre, grand enduro organisé par le motoclub d'Alba, un événement sportif exceptionnel. Dimanche, des centaines de machines d'enduro, de moto, ça, c'est un exemplaire pour vous. Ah. Si vous avez la gentillesse de mettre cette affiche, bien en vue, s'il vous plaît. Voilà, monsieur Jules, je vous remercie. Messieurs, au revoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Il est prétentieux, ce cher. Enduro. Enduro d'Alba. Ouais, il croit que je vais mettre ça. Ah, je vais pas regarder, si vous croyez que j'ai que ça. Tiens, voilà, c'est bon, le bien, là, c'est sûr. Ah ben voilà, ça regarde. Déjà trouvé? Tiens, écoutez ça. Le motoclub d'Alba organise le 29 septembre un enduro national à Alba. Circuit de 70 km. Alors au menu, 3 tours pour les nationaux, 2 pour les critériums, 1 pour les 50 et les dames. Premier départ, 10h, dites-le aux copains. Super, hein? Ouais, ils ont mis la même chose dans le journal, regardez. Fais voir. Tiens, là. Regardez, patron. On est dans le journal. Ah ben non. Est-ce que la superstar daigne m'aider quand même à décharger cet engin? Ah oui. Allez, bien. On la met.
Tu regarderas ce qu'il y a là, quand t'auras un moment. Je voulais vous dire, je vais vous demander, il n'y a pas de courrier aujourd'hui? Oh, si, il y a du courrier. Le jour où j'ai accepté de faire le siège social ici, j'étais inspiré. Il y en a une pour moi. Merci. Il va être formidable cet enduro. Eh bien, c'est le grand jour et le motoclub d'Alba est heureux de vous voir si nombreux. Les concurrents sont instamment priés de conduire leur moto dans le parc fermé. Leur H dans quelques instants. Je vous rappelle que les concurrents partent 3 par 3, toutes les minutes. Le pilote a 60 secondes pour mettre sa machine en route. Ah oui, oui, des erreurs de numérotation et de couleur de plaque ont été commises. Nous le savons, toutes nos excuses. Chers spectateurs, j'espère que vous n'avez pas oublié vos parapluies et vos impairs. Mais si vous avez soif, Monsieur Jules, ben Monsieur Jules qui est un grand supporter de la moto, vous attend à sa buvette. 6 francs, mais... Ah. Merci. Attendez la monnaie. Voilà. Jus d'orange. Jus d'orange. Voilà. Oui, un autre sandwich. Combien? 7 francs. 16 francs. Anne, s'il te plaît. Tu peux annoncer la clôture des inscriptions? Ok. Bon, dégagez la ligne de départ, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que tu fais là? Va au contrôle. J'y vais, j'y vais. Oui. Dis donc, il y en a du monde. Ouais, ouais, il y a du monde, vas-y. Bon, 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 il y a pas le feu. Parmi les premiers partants, deux représentants du motoclub d'Alba, Roger Petit et Philippe Gravier, notre président, ouvriront la piste avec les nationaux. Je rappelle, 3 tours pour eux et 2 tours pour les débutants. Attention, attention, premier départ. Attention. Attention, les numéros 1, 2 et 3 au départ, s'il vous plaît. Attention, 3, 2, 1, partez. Voilà. Et voilà, merci beaucoup. Offert par la maison. Tu dirais que ça marche, hein? Ah ouais, c'est étonnant. Malgré ce temps épouvantable, il y a du monde. J'espère qu'ils vont couvrir leurs frais. Et ça fait quelque chose. Il n'y a pas que les frais qu'il faudrait couvrir. Les numéros 22, 23, 24, en ligne, s'il vous plaît. 22, 23, 24, au départ. Bonjour Martine. Ah bonjour. Pas gâté, hein? Oh non, pas de chance. Tu vois ça? Eh oui, mais je le vois pas. Viens avec moi, je vais vous amener un passage, on risque de le voir. Oh, c'est gentil, merci. Bon. Ah. Le casque. Et 105, 106, 107 au départ. 105, 106, 107. 2, 1, partez! Mesdames et messieurs, quelques explications pour éclairer vos lanternes. Le tour de 70 km s'effectue par un parcours accidenté empruntant des chemins forestiers, des champs communales, certaines portions de route. Des postes de contrôle et de ravitaillement se trouvent tout au long du parcours. Les règles sont sensiblement les mêmes que celles d'un rallye, avec à mi-parcours un circuit fermé de 6 km, particulièrement accidenté, la spéciale. Et le pilote doit en effectuer 2 fois le tour dans un minimum de temps. Il reprend ensuite le circuit normal. Ah.
sandwich. Un sandwich. Combien? 10 francs. 10 francs. Numéro merci. 180, 180. Un deuxième sandwich. Oui, francs. Merci beaucoup, ouais. Combien? 12 francs. 12 francs. Voilà. Là, mon 12? 12, oui. Tu avais à boire, vous voulez quelque chose? Oui. Limonade avec du bière. Servez, là. Ne oui. Pas les bras ballants. Oui. Les contrôles s'effectuent un peu partout. Ça colle, gars! Ça décolle, ouais! Ah putain! Là! À 3 minutes! Combien? 3! Ça va? Je vais voir où est Raoul. Le départ des critériums. Ah bon ? Critérium ? Oui, les débutants. Ah, les débutants. Voilà, ça, c'est le spécial. Vincent va passer dans quelques minutes. Alors, le spécial, je vais vous expliquer. C'est la course la plus difficile. C'est pour ça que vous voyez, c'est très, très, très sinueux. Vincent. Oui. C'est le numéro 8. Ah, oh, merci. Avec l'allée. Oui. Oh là là. Oh là là, ça va vite. Ah, oh, ça y est, je le vois. Pas? Non, moi, vous savez, les motos. Vincent m'a dit que vous étiez complètement tout nu à l'écart de cette course.
exact. Mais vous les avez pas aidés du tout? Ils se débrouillent très bien tout seuls, ils n'ont pas besoin de moi. S'ils ont des problèmes, ils trouveront des solutions eux-mêmes. Enfin, aidés par vous, ils gagnent du temps. Non, pas perdu. Oh, vous avez peut-être raison. Puis, s'ils ont besoin de vous, ils savent que vous êtes là. Vos jumelles! Bien allé. Je penserai vous prendre plus tard. D'accord, je vous attends. Là. Oh, c'était pas compliqué, même l'inventeur de l'eau tienne m'a trouvé. Merci, c'est gentil. C'est pas pour toi, je dis ça. Alors comme ça, vous avez abandonné l'enduro? Oui, comme ça, j'ai abandonné l'enduro. Et toi? Bah moi, rien. Je suis venu vous dire que les gens vous cherchaient. Ah, les gens se préoccupent de moi, un dimanche. Mais ils n'ont pas grand-chose à faire, les gens. Bah vous savez, dans les petits villages, hein. C'est-à-dire que je joue pas le jeu, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est simple. Raoul, moto. Il y a de la moto. Oui, Raoul. Ça se met bien en équation, tout ça. Il y en a qui disent que vous n'avez pas toujours été dans les motos, les moteurs. Ah. Oui, puis il y a cette fameuse histoire du journaliste. Enfin, il paraîtrait que vous avez téléphoné à Paris, dans un ministère. Eh bien, ils sont bien informés, les gens.
Moi, ce qu'ils ne savent pas, c'est ce que je faisais avant de réparer les motos. J'étais... Oh, je sais pas si je peux te le dire. Comment ? Personne ne le sait. C'est un secret. J'étais président de la République, puis j'en ai eu marre, je craquais. Alors je me suis recyclé dans la mécanique. Voilà. Maintenant, tu sais tout. Bon. Pour pas faire de peine aux gens, on va retourner à Alba. On va aller voir l'arrivée de la course. Le matin, je reviens. Nous assistons maintenant aux dernières arrivées. Bravo à nos valeureux concurrents. Les motos sont contrôlées à l'arrivée. Il faut naturellement que tout marche parfaitement. Sinon, disqualification. Avis aux amateurs de douche et à tout ce qu'il faut au premier étage du bâtiment à droite. Attention, pour finir, le motoclub d'Alma espère que vous avez passé une excellente journée. Notre équipe dépouille les résultats qui vont vous communiquer d'ici une heure dans la grande salle où aura lieu la distribution des prix et des coupes. Encore merci à tous et à très bientôt. Le président du club m'a donné la parole, et je n'ai pas oublié qu'il s'agit de mon fils. Mais s'il m'a donné la parole, ce n'est pas parce que je suis son père, mais tout simplement parce que je suis son conseiller général. Votre conseiller général. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis très ému et c'est pour moi un grand honneur de vous remettre les prix. Vous avez été remarquable, vous avez fait preuve d'esprit sportif, mais je voudrais féliciter tout d'abord le motoclub d'Alba, qui a su si bien organiser cette manifestation fraternelle. Alors, il est bien évident qu'ils n'avaient pas prévu la pluie, mais votre présence prouve qu'ils avaient raison de compter sur la fraternité des motards. Alors, je vous dis à très bientôt, soit ici, soit chez vous. Je demande à monsieur Christian Commer de monter sur la scène pour que je lui remette la coupe du premier prix. Le second prix, monsieur Yves Fayant. Et le troisième prix à Roger Petit. Bah dis donc, ça n'a pas été une mauvaise journée hein, pour vous. Non, mais y a lui encore. Ça, c'est pour Christine et moi. Il faut bien le reconnaître, le grand vainqueur, c'est le motoclub de Privas. On vous a gagné quelques places. Et tu sais pourquoi ? Bah, cette blague, vous avez les meilleures bécanes. Mais non, mon vieux, c'est parce qu'on est les plus forts. Plus fort, et moi je compte pour du beurre. Les gars, faudra peut-être pas avoir la grosse tête quand même, parce qu'Alba et Privas, à côté de Robinson et d'un fauché, c'était pas vraiment ça. Bon, si on allait à Villeneuve, il y a une super boîte là-bas. Allez, on y va ? Moi je suis pour. Et c'est ouvert toute la nuit. Oh non, moi je suis crevé. Au revoir, monsieur Jules. Ah, au revoir, Philippe. Au revoir, monsieur Boulet. Au revoir. Poisson, parce que... Je donne le bras petit. Au revoir, vous plaît. Ah, pour une fois, je suis bien de votre avis. Tiens, vous avez entendu. Qu'est-il ? Une course de cross. Voilà, moto, ça me défonce. Ah ouais? Tiens, champion. Pourtant, t'as pas la tête à ça. Pourquoi? Faut une tête spéciale? Pas, c'est pas ton genre.
crois que j'ai rencontré la nana de ma vie. Où ça? Là. Hein? C'est un fou ce mec, faut le retrouver absolument. C'est un vrai quart douze le mec, je l'ai vu. Non, ouais, ouais, faut le retrouver, c'est un fumier. Calme-toi, calme-toi. Ça va. Quel salaud alors. Je vais le choc. Comme un fou, il faut lâcher, faut le choper vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi, je crois que c'est un vrai quart douze. Ouais, il a le feu arrière gauche pété. Sont par prudents, ils roulent comme des fous. Et qu'est-ce qu'ils avaient besoin d'aller faire toute la nuit à Montélimar dans un club? Quand on est couché dans son lit, ben on risque rien, c'est ce que je dis. Puis qui c'est qui va payer tout ça?
Qui c'est qui va payer tout ça, hein? Je sais pas, moi. Mais moi, je sais. C'est la sécurité sociale qui va payer. Si tu veux le savoir, la sécurité sociale, c'est nous. C'est nous qui allons payer pour les fous de la motocyclette. C'est pas une honte, ça, dit. Oui, mais enfin, ils auraient pu tous se tuer. Non, il aurait manqué plus que ça. Faut le retrouver, ce type. Mais on va le retrouver. Bah, d'autant plus que c'est son assurance qui va rembourser les dégâts. Hein. Mm-hmm. C'est assuré. Si je comprends bien, moi, c'est le mec qui m'avait étalé. J'aurais une nouvelle bécane, là. Elle va très bien, ta bécane, d'autant plus que c'est une pièce de musée. Oh. Non, arrêtez de charrier Lucien, parce que si on le trouve, le type, c'est quand même grâce à lui. Ça, c'est vrai. Mais comment on va faire? Attends, viens voir Lucien. Pousse-toi. Voilà. C'est là que tu l'as perdu. Juste ici, là. Il n'y a qu'une seule route. Une route qui traverse le village. Oui. Tu l'as prise, cette route? Comment je l'ai prise? Je fonçais comme un fou. J'ai même cru que j'avais craché mes bielles, moi. Et après, il a disparu. Bah ouais, il était là, puis il était plus là. Il était là, puis il était plus là. Il a dû se planquer, tout simplement, non? Non. Il l'aurait fait avant. Il n'a pas dû s'apercevoir qu'il avait du sien aux fesses. Mais il n'a pas les yeux en face des trous, alors? Ou il était bourré comme un coin, ou il s'est endormi. Bon, il s'est arrêté dans le village, alors. Mais c'est pas possible, je l'ai retraversé, j'ai regardé partout. Mais il a pu se garer et rentrer chez lui. De toute façon, on va pas faire une annonce, il va plus jamais se montrer, le mec. Y a des délits de fuite qui nous aient vus ou pas. Je vais te dire, ça va être difficile à prouver qu'il nous a pas vus. Vous êtes sûr que c'était un break? Ah bah sûr, c'est le même que celui de mon père. Vous êtes tous d'accord là-dessus? Absolument. Bon, alors, un break avec un feu rouge arrière-gauche pété. Cette histoire de pancarte. Ah bah oui, il y avait une pancarte derrière avec des lettres rouges et puis... Ah, d'accord. Bon, Philippe, Lucien, Roger, vous retournez au village, vous fouillez partout. Parce que c'est pas possible, elle s'est pas envolée cette voiture. Je suis pas de moto, moi. Eh ben, tu prends l'arlée. Moi, je prends la moto de Christine, hein. Allez. Merci. Bah, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Je prends ma moto, moi. Mais tu prends ta moto. Alors, voilà. J'en étais sûr, ça devait finir comme ça, avec ces motos, ils roulent comme des fous. Mais il paraît même que vous racontez que c'est de leur faute. Moi? J'ai dit ça? C'est parce que j'ai entendu dire oui. Écoutez, on entend dire beaucoup de choses et c'est jamais vrai, de toute façon. Et vous, monsieur Jules, vous n'y étiez pas? Non, j'y étais pas, mais vous non plus. Non? Non, mais ma fille y était. Mais pourquoi vous n'allez pas à la gendarmerie lire le rapport d'accident? Parce que dans ce rapport, il y a ce que votre fille racontait, et comme il n'y avait pas de témoin... Ah si, il y avait un témoin. Mon fils y était et il est majeur. Et alors, pas être majeur et pas dire la vérité, qu'est-ce que ça peut... Monsieur Jules, mon cassis. Oh, vous, une minute, hein. Ah, hier, quand vous refusiez du monde à votre buvette, vous les trouviez bien, les moteurs. Aujourd'hui, vous changez de préférence. Mais... Si vous continuez à débiter vos sornettes, c'est ailleurs que j'irai boire mon apéritif. Vous allez boire son apéritif. Il n'y a que moi comme café dans le pays. alors, on ne peut plus dire à haute voix ce qu'on passe. C'est malheureux, quand même, ça. Alors, on n'a plus le droit, on n'est plus en liberté, non? Ah, vous fâchez pas, allez, c'est ma tournée, qu'est-ce que je vous offre? Vous offrez quelque chose? Pas à vous, à ces messieurs. Bon, ben, la même chose. Oui, la même chose. Jamais, hein. Si
ça se trouve, il a compris qu'il avait Lucien au cul, il a fait demi-tour dans le village, pendant que Lucien était dans ses virages. C'est possible, non? Bah ouais, c'est possible, mais je suis plutôt de l'avis de Raoul, moi. Je suis sûr qu'il habite dans le coin. Ouais, moi aussi. Bon, on se refait un tour. Ça fait sens, ouais? C'est sûr, c'est lui. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, Roger, tu fonces chercher Raoul, et nous on reste là pour surveiller, ok? T'es sûr? Ouais, ouais. Et les autres? Quoi, les autres? Bah, Philippe et Lucien. Bah, ils sont restés là-bas. Bon, attends, moi, j'arrive. À qui c'est, le mec? Je peux rien dire. Hein. Pour l'instant, écoute, j'emmène Raoul. Non, tu peux rien dire. Oh, pas de mystère, dis-nous. Tu charries, tu pourrais nous dire où il est. Et Raoul, nous, qu'est-ce qu'on fait? Vous vous gardez la baraque. Faut bien que quelqu'un reste ici, non? Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, qu'est-ce que je fais, moi? Bah, toi, tu fais du tricot. C'est malin, hein? Roger est parti. Qu'est-ce que tu dis? Il s'est barré quand Roger est parti. Eh ben, il va revenir. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va l'attendre tranquillement. Philippe, calme-toi. Ça sert à rien de s'énerver. Je suis pas énervé, moi. Le voilà, c'est lui. Chut, je vais lui casser la gueule à ce mec, moi. Salut. Salut. Comme d'habitude, Emile? Oh non, c'est à moi, Vichy. Un Vichy? On va pour un Vichy.
Mais là, je t'en reconnais plus. Vous dites, c'est pas toi qui as le foie tout mélangé ce matin? Tu le mets sur mon compte. D'accord. Allons-y. Qu'est-ce qu'on vous sert? Vous avez un bon rôti de porc? Ah, j'ai quelque chose de très bien. Mais c'est pour combien de personnes? Au revoir, Emile. Huit, Sylvia. Huit ou dix personnes. Oh, bah alors, il vous en faut moins 1,5 kg, 2 kg. Bah, vous m'en mettez 2 kg. Okay. Dites-moi, c'est à vous le brick qui est là? Je pense bien qu'il est à moi. Je travaillerai comment sans ça? C'était un brick comme ça? Ouais, ouais. Ah, ça aurait pu être celui-là, non? Tu parles, c'est sûr. Vous n'étiez pas sur la route de Montélimar ce matin? Ben ça, ça m'étonnerait. Tu étais chez René, hein, Émile? Oui, il habite la ville voisine. On fait un poker tous les dimanches soirs. Ce matin, on y est encore. On a passé toute la nuit. Oui, et puis si ça avait été vous, vous vous seriez arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu quelque chose sur la nationale? Il y a un très beau le rôti. Oui, il y a un carambolage. Cette moto par terre. Un blessé grave. Une voiture qui a franchi la ligne blanche et qui a pris la fuite. Oh, les motos encore? Dès qu'il y a des motos, c'est le bordel. Mais toujours à faire des queues de poisson et à se prendre pour les rois de la route. Les petits loulous, oui, qui vont tout casser dans les balles. Allez, on les connaît, les motards. Et c'est pour moi qu'ils iraient pleurer quand il leur arrive quelque chose. Vous ne les aimez pas, hein? Mais vous n'iriez tout de même pas jusqu'à en tuer un? Bien sûr que non. Apparemment, c'est ni vous, ni votre break. Ben non, puisque j'étais chez René. Oui, puis si quelqu'un disait qu'il a reconnu votre voiture... Vous avez un alibi. Et qui dirait qu'il a vu ma voiture? Ah ben, je sais pas, il y a toujours des témoins. Tenez, justement, il y avait un témoin. Ils sont en train d'interroger. Il paraît qu'il a relevé le numéro de la voiture. Et comment vous savez tout ça, vous? Ouais, je sais tout ça parce que ça m'intéresse. Le blessé grave, c'est mon fils. Alors, si je pouvais retrouver le chauffeur... Et puis, il y a l'assurance. Ah bah, bien sûr, si c'était arrêté, il n'y aurait pas eu de problème. J'étais, moi aussi. Il y a le feu rouge pété, le break. Comme le vôtre, non? Marqué, on peut se tromper. On peut se tromper en reconnaissant une voiture, on peut se tromper en conduisant. Tout le monde peut se tromper. Je dois combien? 42. Bon, vous n'êtes pas d'ici, vous? Non, je suis d'Alba. Je prépare les motos. Oh, madame. Monsieur. Monsieur. Bonjour. Ah, monsieur. Ben, t'en fais une tête, Émile. Si t'étais chez René, t'as pas à te faire de soucis. Bien sûr que j'étais chez René. Mais cet accident, là, le jeune homme, là, ça m'a tout bouleversé. Oui, maintenant, alors. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? On attend. On attend comme au poker.
Entrez. Je viens de la part de M. Émile Robert, le boucher. Ah bon, je ne peux pas vous dire si sa viande est bonne, elle est toujours au réfrigérateur. Il s'agit bien de sa viande. Asseyez-vous. Asseyez-vous, je reviens. Vous êtes venu dans la boucherie cet après-midi avec les jeunes. Oui. Eh bien, ils ne pouvaient rien vous dire. Sa femme était là, vous comprenez? Bon, alors René, c'est moi, j'étais avec lui hier soir. Vous étiez... Vous avez joué au poker, hein? Non, on était en bande, on a fait une virée, on a tiré une bordée, quoi. Vous ne pouvez pas raconter ça à sa femme. Ça lui aurait pas fait plaisir. Ben oui, oui. Enfin, non. Alors ben, c'était moi. C'était moi qui conduisais. Il était tellement bourré, il était affalé à l'arrière. C'est pour ça qu'il vous a pas dit la vérité. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai bien vu quelques motos, mais j'ai pas vu quelques carambolais. Et puis, faut vous dire que moi aussi j'en avais un coup, vous comprenez? Mais je veux bien tout faire pour réparer. Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas, on pourrait peut-être faire un arrangement à l'amiable. Je veux bien. Il y a un problème. Quel problème? Votre fils. J'ai pas de fils. Pas de témoin. Ça va mentir de temps en temps. Et par exemple, si vous voulez que les choses s'arrangent, il faudrait dire que vous vous êtes arrêté. Ben oui, rappelez-vous, vous vous êtes arrêté. Du moment que c'est vous qui le dites... Ben voilà, il n'y a plus qu'à rédiger le constat. Vous faites là? Ah, vous voilà. Mais on allait chez vous là. Eh ben, je vous évite de faire du chemin. Les gendarmes déjeunent, alors j'en profite. Comment ça? Pour faire de la vitesse. De la vitesse avec ça? Vous allez être charcutier? Charcutier va très bien. On a écouté du Mozart ensemble. Ben, d'après ce que m'a dit Philippe, il paraît que c'est pas le genre. Ah. Le voilà. Qui, le charcutier? La pêche. Dites pas que c'est Roger. Mais si, c'est Roger. Il a fini sa bécane? Il s'entraîne. Pourquoi faire? Il s'entraîne pour sa course de circuit. Je peux vous dire qu'en vitesse, il se débrouille pas mal.